Non, c'est totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman? Mes hommes se font massacrer! J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais y a pas que Trek, c'est pas vrai! Je vous le dis, cette île est maudite! Ça suffit! Prends ton équipe de minables et partez! Non, vous pouvez pas faire ça! J'ai droit à ma part du trésor! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman! Et vous le savez! On en reste là, monsieur Raja. Taekamo! Vous allez me le payer! Tôt ou tard! Rappelle-moi pourquoi tu as engagé cet imbécile superstitieux. Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce n'est pas le cas. Mais il sait qu'on le tuera s'il ment. Ne sois pas stupide, on ne le tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps. Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes, et on ne sait même pas si elle en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vaudrait mieux.
Attention! Ça vous fait! Sortez! Bloquez-vous! Ouais, super. Salut, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là, et apparemment il y aurait une espèce de galerie secrète en haut de l'église. Tu peux y aller? Ouais, il me semble bien. Attendez, appelle-nous si tu trouves quelque chose. Ça doit être ça. Ah ah.
Salut. Dites-moi que c'est pas vrai. Hey, salut. Je t'écoute. Tu te rappelles Roman et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyés? Ouais. Bah, ils sont assis pile au-dessus de la salle du trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème. Une diversion, je m'en occupe. Hey, Sully. Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Sullivan s'est échappé! Dispersez-vous et trouvez-le! Salut. Salut. Je savais qu'il y arriverait. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Les Navarro ont mis un de ces boxons ici. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Les affaires reprennent. Ouais.
Cadeau. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Se laissant de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ça va. J'allais le casser. Mais non, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Bon, on est obligé d'avancer. Ouais. C'est quoi cet endroit? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Quelle direction choisir? Attends un peu. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. Je vais rester là à faire le guet pendant que toi tu trouves un moyen de traverser. Ça doit bien servir à quelque chose. Il se passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. C'est bon. Tout va bien. Ah.
Ok. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Merci, Nate. Tu es les tous les deux. Ah, et ben c'est de mieux en mieux. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous vous êtes régalés à regarder cet épisode comme moi je me suis régalé à le faire. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Beauf Player. Et d'ici là, gardez la forme et surtout, on se tient au jus de pomme. Peace la famille.